De manière à ce que nous puissions partager avec vous quelques passages de la Bible que nous avons prévus à cet effet. Ainsi, avant que nous puissions voir l'espérance que nous avons, l'espérance de la vie, nous voulons d'abord vous donner quelques détails sur notre sœur qui est décédée. Elle s'appelle sœur Ndinga Naomi, comme vous la connaissez. Elle est âgée, elle est morte à l'âge de 37 ans. Elle a été mariée et la date de son mariage, c'est le 30. Elle était mariée au moment de, en 2016. Ainsi, c'est une fille des chrétiens témoins de Jéhovah. Son papa, Dinga Jean, qui est témoin de Jéhovah, serviteur fidèle. Et aussi sa mère, Benza Desi. Alors ainsi notre sœur nous a quittés, laissant aussi ses frères. Nous avons Naomi et nous avons Martin Ndinga, Abigail Ndinga et Nelly Ndinga. Vraiment c'est une grande tristesse que nous avons. Voilà pourquoi nous voulons nous consoler à partir de la Bible. Il n'est pas mauvais, il n'est pas mal. Ce n'est pas aussi un signe de manque de foi lorsque nous sommes en train de pleurer ou lorsque nous sommes en train de nous attrister. Alors, pour ceux qui lisent la Bible, par exemple, il se rappelle l'exemple de Jacob. Jacob, on lui a fait croire que l'un de ses enfants était mort, a été dévoré par une bête. Quelle a été sa réaction? Jacob disait, laissez-moi, ne me consolez pas, je vais partir avec mon fils. Ce n'est pas seulement Jacob qui était aussi bouleversé à partir de la mort. Nous connaissons même l'exemple de Jésus. Lorsque il a appris que l'un de ses amis, Lazare, était mort, qu'est-ce que Jésus a fait? Quand il arrive, il voit Marthe en train de pleurer, il voit aussi les autres personnes en train de pleurer, Jésus aussi a pleuré. Alors c'est pourquoi nous disons, ce n'est pas un mauvais signe que nous puissions exprimer notre tristesse ou notre profonde douleur que nous avons. Maintenant la question que nous pouvons nous poser est de savoir, lorsque nous sommes tristes comme ça, alors Jéhovah notre Créateur, qu'est-ce qu'il est en train de ressentir en ce moment-là? C'est ce que nous voulons nous consoler avec ce passage. Des psaumes 34, pendant que nous lisons les 18 versets, vous allez voir ce que lui aussi ressent. Psaume 34, les 18 versets, nous lisons. Et nous voulons lire Psaume chapitre 34, verset 18.
Alors pour ceux qui ont des Bibles, nous lisons. Jéhovah est proche de ceux qui ont les cœurs brisés. Il sauve ceux qui ont l'esprit écrasé, ceux qui ont l'esprit découragé. N'est-ce pas, au moment où nous sommes entrés de parler ici, nous avons un cœur brisé, puisque nous assistons à un enterrement de notre fille, de nos camarades, ainsi que des voisins, les cœurs brisés. Et qui est à côté de nous, ou qui nous console en ce moment-là? Les versets-là, nous pouvons encore les relire. Jéhovah est proche de ceux qui ont les cœurs brisés. Il est avec nous. Il va maintenant nous aider de manière à avoir l'espérance qu'il nous promet, de manière à voir ce que nous pouvons faire pour pouvoir endurer cette situation. Maintenant, avant de voir comment il nous console, nous pouvons d'abord nous poser la question, comment est-ce que nous sommes arrivés à cette situation? Qu'est-ce qui fait que nous vivons avec quelqu'un et d'un moment à l'autre, il meurt, il nous laisse? En tout cas, la mort n'est pas un mystère pour notre grand créateur Jéhovah. Déjà dans la Bible, lorsque nous lisons en Genèse, chapitre 2, verset 7, il nous montre que la mort n'était pas vraiment le plan de Dieu. Nous lisons, Jéhovah Dieu forma alors l'homme avec de la poussière du sol, puis il souffla dans ses narines le souffle de vie, et l'homme devint un âme vivant. Avez-vous remarqué comment est-ce que nous nous sommes créés? Alors Jéhovah a pris d'abord de la poussière. Et lorsqu'il prend la poussière, on ne parle pas d'une personne vivante. Lorsqu'il forme rien que la poussière. Mais quand est-ce qu'on parle d'une personne vivante? Mais c'est lorsqu'il prend le souffle. Le souffle que la Bible appelle le souffle de vie. Il met chez quelqu'un, c'est alors que la personne devient une âme vivante, ou la personne devient une... Donc ce souffle-là est entretenu par la respiration. Alors ce qui fait qu'on remarque que quelqu'un est mort, c'est lorsque la respiration cesse. Alors qu'est-ce que nous comprenons à partir de ce passage de la Bible? Alors Dieu nous a donné ce que nous appelons l'héritage qu'il nous a laissé, c'était la vie, pour que nous puissions continuer à vivre. Et pour y arriver, alors en Genèse là, chapitre 3, il a demandé à nos premiers parents d'obéir à sa loi, de ne pas manger les fruits de l'arbre interdit. Mais est-ce que c'est ce qu'ils ont fait? Non, ils ont désobéi à la loi de Dieu, c'est ce que nous assistons à la mort. Mais est-ce que nous pouvons dire que c'est fini? Alors lorsque nous mourons, il n'y a pas un espoir pour les gens qui sont morts. En tout cas, c'est ce que nous allons essayer de démontrer dans les passages qui arrivent. Par exemple, lorsque nous prenons Romains chapitre 5, verset 12, ce passage nous montre quelque chose. Puisque les premiers que nous avons lus nous a montré que nous mourons parce que Adam a péché et c'est celui-là qui nous a transmis la mort. Maintenant, qu'est-ce que nous attendons dans les jours qui viennent? Ou qu'est-ce que nous avons déjà bénéficié? Nous voulons lire Romains chapitre 5, le 12e verset. La Bible dit ceci. C'est ainsi que par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort s'est donc étendue à tous les hommes, parce que tous les hommes avaient péché. Voici ce que le verset 13 dit. Car le péché étant dans le monde avant la loi, mais le péché n'est pas mis sur le compte des personnes quand il n'y a pas de loi. Alors ce passage de la Bible veut nous montrer que comment est-ce que le péché est entré dans le monde. Et en disant comment est-ce que le péché est entré dans le monde, ça signifie qu'à une certaine période, le péché n'était pas dans le monde. Bon, le péché est entré dans le monde, est entré aussi avec la mort. Ça signifie qu'à une certaine époque, la mort n'était pas là. C'était à quelle époque? N'est-ce pas, c'est l'époque où Dieu a créé Adam et Ève, il les a mis dans le jardin d'Éden. À cette époque-là, il n'y avait pas la mort. Mais le péché est entré dans le monde par le canal de qui? N'est-ce pas ce que nous avions affirmé dans ce discours, que c'est par le canal de Adam. Par le canal de Adam qui s'est rébellé contre Jéhovah. Donc le péché est devenu comme certaines maladies que nous connaissons, des virus.
on connaît qu'à partir d'une seule personne, ça peut entrer dans la communauté. Donc c'est comme ça que nous avons, que nous connaissons. Maintenant, qu'est-ce que Jéhovah a fait? Vous vous rappelez, dans l'introduction de ce discours, nous avons parlé de Lazare qui a été mort et que Jésus-Christ avait réconforté ceux qui étaient là-bas. Mais qu'est-ce que Jésus a fini par dire? Il a dit, ne vous étonnez pas de ce que je viens de faire. Pourquoi? Parce que l'heure va arriver où tous ceux qui sont dans les tombes vont sortir. Alors c'est vrai, c'est que nous aussi nous sommes en train d'espérer. Notre sœur Ndinga Naomi, il y aura une période où Jéhovah va appeler, ainsi elle va sortir de la tombe. C'est une promesse dont nous sommes sûrs. Alors maintenant, comme elle est décédée comme ça, comme elle est morte comme ça, mais est-ce que nous pouvons nous attendre à ce qu'elle nous écoute? Est-ce que nous pouvons lui donner les messages pour qu'elle transmette ces messages-là dans le monde, comme certaines personnes disent? Alors, une seule question que nous voulons nous poser, c'est que quelle est sa condition de mort? C'est vrai que nous sommes vivants, nous n'étions pas morts, mais Jéhovah qui nous a créés, c'est celui qui sait comment nous a créés, et il sait aussi ce qui nous attend lorsque nous mourrons. Et ce n'est pas un secret pour nous. Nous allons lire Ecclésiaste chapitre 9. Pendant que nous lisons les 5e verset et les 10e, vous allez voir comment la Bible explique ce qui arrive aux humains lorsqu'ils meurent. En effet, les vivants savent qu'ils mourront. C'est une occasion de nous dire à qui le deuxième tour. Alors, même si les vivants sont morts, ils savent. Donc, c'est ça, c'est le problème. Maintenant, comment est-ce que nous pouvons saisir cette occasion? C'est verset 12, la parole de Dieu dit, nos jours sont comptés. Nous avons pour pouvoir renforcer la foi de la famille qui a perdu, la foi des trônes de terre, mais comme vous ne nous écoutez pas, alors on va essayer de... Maman, avancez. Oh, no!
de la vie. De la tombe de notre péché répété, Naomi Ndinga Kembi Kembi. Alors, sans plus tarder, dans le recueillement, je vous prie de commencer la procession sur le chemin du paradis. Maman, une seule rangée. Allons-y, s'il vous plaît. Thank you.
corriger, veuillez nous excuser, nous avons écrit sur le poteau. Toutes nos excuses. Merci. Yes, we live here in the town. Il y a ta sécurité. Chers frères, alors nous voulons vous rappeler, parmi les passages de la Bible que nous avons lus là-bas, pendant qu'on prononçait ces livres de discours, il y avait le passage de Job chapitre 14, verset 14, où Job posait cette question. Si un homme meurt, peut-il revivre tous les jours de ma corvée? J'attendrai que la relève arrive. Verset 15, tu appelleras et je te répondrai. Tu désireras ardemment recevoir l'œuvre de tes mains. Par des raisonnements que lorsqu'on coupe un arbre, il y a aussi quelqu'un qui est fidèle à Jéhovah. Donc il y a espoir, il y a l'espérance que la personne puisse revenir à la vie. Alors lorsqu'on prononçait les discours là-bas, on a dit, dans l'entretemps, notre sœur, notre ami, notre enfant n'est pas en train de nous écouter. Elle est dans un état d'inconscience. C'est pourquoi nous avons cette espérance qu'elle reviendra à la vie. Donc c'est cette espérance que notre sœur Ndinga prêchait aux autres et nous voulons aussi que vous puissiez savoir. Et puis pour pouvoir respecter cette espérance, alors nous avons les devoirs, ça nous fait mal, nous avons la douleur au cœur de pleurer, mais ce qu'il ne faut pas faire, c'est que nous puissions nous adresser à elle, puisqu'elle n'est pas en train de nous écouter.
Alors nous n'avons pas prévu un autre mot à part les mots que nous avons prévus pour nous encourager. Alors le deuxième passage et le dernier que nous voulons aussi lire pour pouvoir nous encourager, c'est en 1 Corinthiens chapitre 15. Pour ceux qui ont toujours lu ce chapitre, vous vous rappelez, on donne des raisons solides qui montrent qu'il y aura vraiment espoir pour ceux qui sont morts. Et au verset 44, l'apôtre Paul dit, il est semé corps physique, il est ressuscité corps spirituel. S'il y a un corps physique, il y aura aussi un corps spirituel. Il est écrit, le premier homme Adam devint un être vivant, le dernier Adam est devenu un esprit donnant la vie. Vous voyez, on fait les liens entre ces passages de la Bible et celui que nous avons lu là-bas. Donc Jésus est appelé le dernier Adam. Pourquoi? Puisque c'est grâce à lui que nous aurons la vie éternelle. Donc avec ces paroles, nous voulons donc nous consoler pour que nous puissions être sûrs qu'il y aura donc un espoir pour notre sœur qui est décédée. Alors pour ceux qui restent, nous pouvons manifester notre tristesse, notre douleur au cœur, mais nous nous rappelons, nous ne voulons pas faire des pratiques qui tendent à faire croire qu'elle est en train de nous écouter. Nous vous remercions beaucoup. Merci. Notre tristesse que nous avons suite à la disparition de notre sœur que nous aimions tant. Elle nous a quittés, mais nous sommes sûrs qu'elle reviendra à la vie, puisque c'est ce qu'elle-même aussi était en train de prêcher. Nous voulons que tu te souviennes d'elle. Ainsi, nous qui avons des blessures au cœur, nous te demandons que tu puisses nous aider avec ton esprit pour que nous puissions avoir le cœur calme et aussi continuer à nous encourager. Nous sommes sûrs que tu nous écoutes, puisque tu nous as toujours écoutés quand nous te prions. Au nom de Jésus ton fils, amen. Tu peux son maman direct. YouTube. Voilà, on est Facebook. Dans WhatsApp. Hein?